Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai la voix cassée parce qu'en fait, je suis Covidée. J'ai le Covid depuis quelques jours. Nous sommes jeudi, je l'ai depuis lundi et peut-être même avant. Vu qu'aujourd'hui, je vais un tout petit peu mieux. Je vais aller me couper les cheveux parce que j'en ai marre. Donc là, je fais une petite préparation, je mets du jogging, tout ça, non, 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 je suis un peu propre. Sauf que mes cheveux, c'est n'importe quoi. J'ai chez le coiffeur et je vais me couper les cheveux parce que j'en ai marre de les coiffer. Bref, j'en ai marre. Bah, vous allez m'accompagner et voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Là, je suis en route pour aller me couper. J'hésite même pas de ouf. Genre, je sais pas. Genre, je crois que j'ai décidé que je vais pas regretter. En tout cas, j'espère que je vais pas regretter. Là, je suis en route là. Oh là là, et ma tête de Covid là. Ouf. Je me dis, c'est pas bien, mais j'ai déjà fait mon temps à la maison. Et je vais mettre le masque. Et normalement, je fais pas plus de 2 heures, donc ça devrait aller. Moi, je suis pas moi. En fait, je suis trop contente et en même temps, je me trouve très changée. Je sais pas pourquoi, quand je fais mon téléphone comme ça, on dirait que je louche. Genre, j'ai l'impression que mes yeux ils sont pas coordonnés. Regardez mes cheveux maintenant. Je suis choquée. Du coup, les gars, nous nous retrouvons à la maison chez moi. Là, je suis rentrée. Je crois que je réalise toujours pas que je me suis coupé les cheveux. C'est trop bizarre. Mais je suis trop contente, genre j'avais grave pas peur. Le coiffeur il était là, il me disait ça va et tout. C'est lui. Il me disait d'habitude quand les filles elles se coupent les cheveux et tout, elles tremblent, elles pleurent, elles sont pas bien, elles réalisent pas. Mais moi, pas du tout. Genre limite j'étais grave contente. Et en plus, la couleur j'aime trop. Genre c'est trop beau. Genre j'aime trop trop trop. Donc ce que je vais venir faire, parce que personne n'est au courant, genre à part une copine à moi, mais qui n'est même pas en France, qui est en Suède. Je lui ai annoncé parce qu'il m'avait appelé en vidéo, du coup elle a vu, mais elle n'a pas vu la couleur encore, donc coucou Félie. Là je vais me maquiller et je vais faire des photos, des vidéos et tout. J'avais commencé un TikTok, je vais le terminer. D'ailleurs mon TikTok c'est Ayamnaou et si vous voulez voir les photos sur Instagram c'est Ayamnaou aussi. Voilà, tout simplement. Depuis très longtemps je dis que j'ai envie de me couper les cheveux et tout, mais je n'osais pas. En plus même là... Quand j'ai dit à ma mère que je voulais me couper les cheveux et tout, elle m'a dit non, en plus c'est l'hiver, t'es sûre de ton choix, il va faire froid. En tout cas ce matin j'étais décidée, je me suis levée, je me suis dit hey, c'est bon, j'en ai marre. Déjà je suis malade, déjà quand je suis pas malade j'ai du mal à me coiffer, là je suis malade, c'est pas possible. Donc là, vous entendez là, c'est mon fils, il est juste à côté, il est en train de dormir. Qui ronfle comme ça, wesh?
déjà fait à cette époque avec le péché de ce qui était pourri, à part la famille de Dieu, son fils des croyants. Malgré ce fait, le fait est que les hommes ont refait de vous faire. J'ai fini. Trop belle. Ouh. Du coup les gars, ça y est, j'ai fait mes photos, j'ai montré sur Snap et Instagram que je m'étais coupé les cheveux. Mes copines ont vu, il y a d'autres qui sont très contentes et d'autres qui sont très contentes. Voilà, j'ai fait des TikTok et tout ça. Donc le jour que cette vidéo sorte, vous serez déjà au courant, et les personnes qui me suivent que sur YouTube, vous le saurez. Du coup voilà, là je vais aller faire à manger, mon fils il dort encore. Je vais rien faire de ouf en soi, mais franchement ce vlog, je sais même pas ce que ça va donner. Si ça rend bien, tant mieux, si ça ne rend pas, tant pis, je sais pas quoi dire, parce qu'avec la maladie... Enfin, avec le Covid et tout, j'avais pas assez d'énergie en fait pour pouvoir faire plusieurs choses. Donc voilà. Il y a 2 secondes, j'ai dit que j'allais faire à manger et tout. Là, j'ai la flemme, je vous jure. Je suis trop la flemme. Et regardez ce que je fais. Regardez ce jeu-là, il est trop bon. C'est mon chéri qui l'a acheté. Il a pris à Lidl. Il est vraiment trop bon. Regardez, je mets quoi? Je mets dans une coupe, wesh. Qui fait ça? Je crois que c'est du champagne. Je suis trop belle! Et vous? On peut être belle comme ça. Je vais savourer mon jus là. Est-ce que je suis la seule? Quand je bois, ma gorge elle fait du bruit. Genre, je crois que je suis la seule, parce que les gens quand ils boivent, ça fait pas. Mais moi j'arrive pas. Quand je fais pipi, il y a du bruit. Et quand je bois aussi, il y a du bruit.
Du coup, j'ai préparé le poisson braisé avec de la tchéquée qui se présente comme ceci. Bon appétit à nous. À bientôt. Bye bye, bisous.